babo kumuna mushindo babo kukangula muyuki wabo kajibu wa mulusekeru nuku lwa bena bala ni mpesa muyuki ujubi kalaba kanguli lelewe wa mwenshwa mujila ntongolo mbo kumuna mushindo kukula mianda mishishilana na mumu kachimuwa mianda ya mkara musanje wakati mwanda ujubi kalaba utani mbukwetu lwa lwe de l'ouverture solennelle de la session ordinaire de l'Assemblée nationale et du Sénat de la République démocratique du Congo. Je vous invite à passer le détachement le commandant détachement, le commissaire supérieur adjoint, Bombo Mandela. Mwikala ulwa biteketa mikali mchaku banda pa bibanjulu ebi mbwono kwa mbwase chubweleji chenda mwa umwa mwabaye utu jibikala tusangila mbena bale nipesa mwano kutuilanga na mbato kulu kama nebantu mwanda mkulu kumbusha mkulu mpwaje bale nipesa kushiton chendele ujika mwabaye nasha ebi sala mwadefi bahati nye wenda ulu wenda ni biteketa mwabaye. Merci Prince Mupoy. L'accueil cérémonial est terminé. Modeste Bahati Lukwebo est en train de monter les marche-pieds pour prendre ensuite l'ascenseur. Il va faire son entrée dans quelques instants ici dans la salle des plénières du Sénat et il va procéder à l'ouverture solennelle de cette session budgétaire de septembre, comme le prévoit la Constitution. Tout le monde est là. La session de mars a connu des moments assez particuliers. Vous avez là le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kalouba, qui est donc parmi les invités de cette cérémonie officielle d'ouverture de la session de septembre. Le président de l'Assemblée nationale, on l'a vu par moments. Bosso Kodiapuanga, on l'a vu par moments. Et le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabunda Kabund, qui lui aussi a répondu à l'invitation à cette cérémonie solennelle d'ouverture de la session de septembre au Sénat. Dans quelques instants, il va y avoir le début de cette cérémonie, bien sûr, et dans l'heure qui suit, ce sera la chambre basse de la
chambre basse du Parlement, à l'Assemblée nationale, donc, que la cérémonie va aussi avoir lieu. Ce sera pratiquement le même protocolaire. Les différentes personnalités ici présentes seront également à l'Assemblée nationale pour l'ouverture de la session de septembre. Ici, et dans quelques instants, que le président Modeste Bathily-Kobo, sénateur, va faire son entrée ici dans la salle de plénière du Sénat, où je vous rappelle, cette chambre haute du Parlement compte 9 sénateurs. Et on nous dira combien sont présents aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que le quorum est atteint. Les services du protocole donnera l'information au président du Sénat qui communiquera à la plénière, mais en même temps à travers la radio-télévision nationale congolaise, à toute la communauté nationale, combien de sénateurs sont présents pour cette cérémonie d'ouverture de la session de septembre. L'assistance va s'élever pour saluer l'entrée de Modeste Bathily-Kobo, président du Sénat, qui va donc, dans quelques instants, procéder à l'ouverture de cette session. Comme je vous l'ai dit, c'est une session qui sera très riche en événements. En plus du budget qui va être examiné, il va y avoir beaucoup de questions politiques à traiter. L'environnement politique, mais aussi économique, qui rappelle plusieurs événements qui nécessitent l'intervention de la Chambre de Sages, les lois qui sont en attente. Nous allons suivre donc la cérémonie. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Procureur général près la Cour constitutionnelle, Messieurs les premiers présidents de la Cour de cassation et du Conseil d'État, Messieurs le Président du Conseil économique et social, honorables membres des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, Messieurs les procureurs généraux près la Cour de cassation et le Conseil d'État, honorables sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Excellences, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique, représentants des organisations internationales et du système des Nations Unies, distingués invités en vos qualités et titres respectifs, Mesdames et Messieurs. Trois moments forts vont marquer la présente cérémonie consacrée à l'ouverture solennelle de la session ordinaire de septembre 2001, à savoir, primo, l'hymne national que nous allons chanter avec l'accompagnement de la fanfare de la police nationale congolaise, secondo, le discours d'ouverture de l'honorable président du Sénat, tertio, le cocktail qui sera servi aux honorables sénateurs et à tous les invités dans le hall de la questure où aura également lieu la séance des salutations. Les membres du personnel des cabinets et de l'administration seront quant à eux servis dans le hall juste devant l'entrée de la salle des conférences internationales du Palais du Peuple. Avec votre autorisation, honorable président du Sénat, nous invitons l'auguste assistance à s'élever pour chanter l'hymne national.
Veuillez vous asseoir. La séance est ouverte. Honorable Président de l'Assemblée nationale et chers collègues, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Procureur général près la Cour constitutionnelle, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation, Monsieur le Premier Président du Conseil d'État, Monsieur le Procureur général près le Conseil d'État, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Messieurs les Présidents des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de missions diplomatiques et représentants des organismes spécialisés du système des Nations Unies et des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le directeur de cabinet du Président de la République, Mesdames et Messieurs les officiers généraux et supérieurs des forces armées et de la police nationale, Messieurs les représentants des confessions religieuses, Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le bourgmestre de la commune de Lingwala, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, conformément aux dispositions des articles 115 de la Constitution et 82 du règlement intérieur du Sénat, cette plénière solennelle de ce mercredi 15 septembre 2021 est consacrée à l'ouverture de la session ordinaire de septembre. Ceci qui va constituer notre seul point à l'ordre du jour. Mais avant toute chose, permettez-moi de remercier chaleureusement tous nos invités qui ont bien voulu rehausser de leur présence cette cérémonie d'ouverture de la session ordinaire du Sénat. La présence de chacun et de chacune d'entre vous dans cet hémicycle témoigne d'une marque de considération et de respect envers notre Chambre. Soyez donc tous les bienvenus. Honorables députés et chers collègues, distingués invités, Mesdames et Messieurs, après de brèves vacances parlementaires interrompues par la nécessité de la convocation de la session extraordinaire du 19 juillet 2021 ayant eu pour objet l'examen et l'adoption du projet de loi portant autorisation de prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, lequel projet a été exceptionnellement voté 4 fois par visioconférence au cours de cette même session extraordinaire, nous voici de nouveau réunis sans répit pour l'ouverture de la session ordinaire de septembre 2021
essentiellement budgétaire, afin de doter le pays de ses moyens de fonctionnement pour l'exercice 2022. Avant de poursuivre mon allocution, permettez-moi de saluer la mémoire de l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, le doyen Antoine Gabriel Kyungwa Kumanza, à la même occasion de saluer la mémoire de nos vaillants soldats tombés au front, de nos compatriotes victimes de la pandémie à coronavirus et des victimes des atrocités dans l'est du pays. À cet effet, je vous prie respectueusement de vous lever et d'observer une minute de silence. Merci. Que leurs âmes reposent en paix. Honorables sénateurs et chers collègues, avant de m'étendre sur les activités proprement dites de notre Chambre, je voudrais vous rappeler par un survol la situation de l'état de la nation actuelle de notre pays. Le contexte dans lequel s'ouvre cette session exige des parlementaires beaucoup de dextérité dans l'analyse des questions essentielles de la survie de la démocratie qui constitue des sujets d'actualité dans notre pays. Ceci est d'autant indispensable que cette ouverture de la session ordinaire coïncide avec la journée internationale de la démocratie célébrée dans le monde entier le 15 septembre de chaque année, où chaque pays est invité à faire un état des lieux sur l'évolution de la démocratie en interne. Ainsi, la démocratie dans le microcosme politique congolais se caractérise par les débats et autres échanges d'idées souvent houleux qui se focalisent actuellement autour de diverses questions, notamment la situation sécuritaire dans l'est du pays, la désignation des nouveaux animateurs de la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle, la mégestion quasi généralisée dans les entreprises et services publics telles que révélées par l'Inspection générale des finances, la situation post-éruption du volcan Nyiragongo à Goma, la situation sociale des Congolais, les diverses revendications de la masse laborieuse dans tous les secteurs de la vie nationale. À propos de la situation sécuritaire, celle-ci demeure préoccupante dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu. L'instauration de l'état de siège dans les dites provinces a pour finalité de ramener la paix dans cette partie du territoire national. C'est ainsi que des actions conjointes et concertées sont menées par les forces armées de la République démocratique du Congo, la MONUSCO et la police nationale congolaise, en vue de combattre toutes ces forces négatives opérant dans l'est du pays. Voilà pourquoi je rends un hommage particulier au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, pour son implication personnelle qui lie la parole à l'action, telle que promis lors de sa campagne électorale, afin de ramener la paix dans l'est du pays. Le récent séjour de son Excellence Monsieur le Président de la République dans l'est lui a permis de toucher du doigt les réalités et de développer une diplomatie agissante auprès des pays amis dans le domaine de la coopération militaire. Je salue la bravoure et le sens du devoir ainsi que l'esprit de sacrifice
qui anime les éléments de nos forces armées qui sont à pied d'œuvre dans les opérations déclenchées dans l'est de notre pays. Je saisis en outre cette opportunité pour saluer les initiatives du gouvernement qui ne ménage aucun effort pour mettre fin à cette insécurité. S'agissant de la problématique de la CENI qui fait couler encre et salive et divise la classe politique et la société civile, en ceux y compris les confessions religieuses, j'appelle tous les acteurs politiques et sociaux à transcender leurs divergences et à ne privilégier que l'intérêt supérieur de la nation afin d'éviter de retarder le processus électoral attendu fin 2023. Honorables sénateurs et chers collègues, le constat fait état de ce que notre gouvernement fournit des efforts notables pour améliorer tant soit peu les conditions de vie de nos concitoyens en soutenant les secteurs sociaux attachés à la production alimentaire. La gratuité de l'enseignement, l'assainissement des finances publiques, la dotation des 145 territoires des budgets d'investissement, la sécurité sociale et les soins de santé, la relance de Maïzate, na désinfectant on a souki nanga désinfectant naturel. Ah maître, boité, yeba popé tanzinga tanzinga na yo. Ofana na full boué, ma bé ma casse. Eh, t'as pas petit nous. Yo kanisa no bonza moko. Siko yo, yo. Oso bébé samboka yango pona nini, hein? Yebi sanga, pona nini no nyemboke bongate, linga mboka na yo. Petit, oza mwana, tango kola, on prend. Lokola bino mikolo bongi ko bongisa mboko te biso bana to ko bongisa yango. Boyoki, to changer mentalité. To tika mvwa tata. Ngai na tiki. Yope tika. Du haut des collines de Mongafula est né le premier café cultivé et produit à Kinshasa, la Kinoise. Le café pur Arabica qui embellit vos journées avec son arôme incomparable. Aramusta pour renforcer votre énergie au quotidien. Mocachino, le meilleur café chocolaté,
recommandé contre la fatigue et les stress. Avec la quinoise, savourez les plaisirs du vrai café, 100% naturel, 100% congolais. L'initiative de mise à la retraite digne des enseignants qui remplissent les conditions. Il en est de même pour les agents de carrière de service public de l'État, comme l'a recommandé Son Excellence Monsieur le Président de la République lors de la clôture de l'année académique de l'École nationale d'administration en date du 14 septembre 2021. C'était hier. Quant à la situation sociale des agents et fonctionnaires de l'État, y compris les enseignants, les magistrats, les professeurs des universités, les médecins, les paramédicaux, les militaires et les policiers, elle demeure toujours préoccupante et appelle des solutions. Pour y arriver, j'estime que le gouvernement devrait s'exercer pour mettre en place une politique salariale nationale qui tiendrait compte des réalités contextuelles de notre société tout en veillant à une juste redistribution de la richesse que génère notre économie. De leur côté, j'invite les sénateurs, mes chers collègues, à faire montre de beaucoup de rationalité dans le vote et l'adoption de la loi des finances pour l'exercice 2022 afin de contribuer à l'accroissement des recettes de l'État et de rompre définitivement avec la mauvaise affectation des ressources. En ce qui concerne la recherche scientifique, il est plus opportun que le gouvernement dote les centres de recherche de moyens financiers conséquents pour encourager les chercheurs dans leurs domaines respectifs. Honorables sénateurs et chers collègues, s'agissant de la couverture sanitaire, celle-ci se révèle précaire à cause notamment du délabrement et de l'insuffisance des infrastructures sanitaires et des difficultés d'approvisionnement en médicaments. D'où l'impérieuse nécessité pour le gouvernement de s'atteler pour la réalisation du projet de la D'ailleurs, s'agissant du vaccin contre la COVID-19, la poursuite de la campagne de vaccination mérite d'être soutenue, d'autant plus qu'elle permet de contenir la progression de la pandémie. À cet effet, j'encourage le gouvernement de la République à intensifier la sensibilisation de proximité de la population à accepter la vaccination. Je salue les efforts de nos pharmaciens qui, avec des moyens de bord, sont parvenus à mettre sur le marché des produits qui combattent cette pandémie. J'ai cité le Manacovid et le Dubase C. J'exhorte nos médecins à prescrire ces médicaments dans leur thérapie pour soulager tant soit peu la souffrance de nos concitoyens. S'agissant de la pollution des rivières Tchikapa et Kasai, j'invite le gouvernement à prendre des dispositions idoines pour l'endiguer et protéger nos populations d'une part et à mettre en place une équipe d'experts afin d'analyser les conséquences humaines et écologiques pour engager des pourparlers avec la République sœur d'Angola et établir les responsabilités en vue d'obtenir réparation en vertu du principe international pollueur-payeur d'autre part. Pour clore ce chapitre, permettez-moi de saluer le travail de Titan qu'est en train d'abattre l'inspection générale des finances pour combattre la mégestion et la corruption qui gangrènent les entreprises, les établissements et les services publics de l'État et finalement amenuisent sensiblement les recettes publiques. Aussi, je salue les mesures conservatoires prises par le gouvernement qui a encouragé les ministres sectoriels à écarter les animateurs des entreprises, établissements et services publics auteurs
de cette mauvaise gouvernance afin de préserver ce qu'il reste encore de ces entreprises publiques. En outre, il faudrait que le pouvoir judiciaire accompagne et soutienne ce travail de l'inspection générale des finances pour que reste du seul côté, que la force reste du seul côté de la loi. Honorables sénateurs et chers collègues, le travail qu'entreprend l'IGF actuellement nous convainc qu'avec la prise de conscience, il y a de l'espoir que les recettes publiques de l'État connaissent davantage un accroissement. Avec cet élan, il y a lieu d'espérer que cette fois-ci, le gouvernement ait les moyens de sa politique pour la relance de l'économie du pays et qu'un projet de loi de finances réaliste pour l'exercice 2022 soit élaboré. Aussi convient-il de rappeler, au terme des dispositions de l'article 83 de la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, que le gouvernement observe strictement l'application de dites dispositions, surtout en ce qui concerne le respect du délai du dépôt de la loi portant reddition des comptes de l'exercice 2020 et de la loi de finances pour l'exercice 2022. Honorables sénateurs et chers collègues, d'après Jean-Pierre Raffarin, dans la préface du livre de Philippe Peugeot, la diplomatie parlementaire, je cite, « sans dialogue, il n'y a pas de paix. Sans conciliation des intérêts respectifs des États, il ne peut y avoir de diplomatie. Sans la prise en compte des intérêts des peuples, il ne peut y avoir de vie internationale durable. » Cette pensée nous enseigne que nous devons nous rendre compte que notre monde contemporain, aux mutations rapides et complexes, demande une plus grande prise en compte des légitimes aspirations des peuples et de leur territoire, ce qui est le socle de la diplomatie parlementaire. C'est dans cette optique que j'ai accordé des audiences aux ambassadeurs et chefs de missions diplomatiques et représentants des organismes spécialisés du système des Nations Unies et des organisations internationales. Aussi, nous venons de participer à la 5e conférence mondiale des présidents des parlements du monde pour justement aborder toutes les questions liées à la pandémie et à la période de post-pandémie Covid-19, mais également d'examiner la reprise de l'économie sur le plan mondial. Honorables sénateurs et chers collègues, en ce qui concerne nos provinces, il faut constater que la faiblesse dans la mobilisation des ressources est due au fait, au défaut et à l'absence d'activités économiques créatrices de richesses, au manque d'infrastructures de base, à la pauvreté ainsi qu'aux crises politiques récurrentes, notamment entre les assemblées provinciales et les exécutifs provinciaux, qui minent le bon fonctionnement des entités territoriale décentralisée. Je saisis enfin cette occasion pour rappeler avec insistance la nécessité pour le gouvernement de faciliter l'application de la retenue progressive de 40% des recettes au profit des provinces ainsi que l'activation de la Caisse nationale de péréquation pour que chaque institution provinciale joue réellement son rôle en toute responsabilité. Honorables sénateurs et chers collègues, la session qui s'ouvre ce jour sera laborieuse. Outre l'examen du budget, nous aurons également à examiner d'autres matières au regard des circonstances du moment en sus de nos arriérés législatifs. Ainsi, je vous invite à plus d'assiduité et de promptitude dans l'exercice de vos tâches respectives tout en vous souhaitant une excellente session. Pour terminer mon propos, je rappelle à la classe politique le respect des engagements
la culture de la paix et de la réconciliation, l'esprit de tolérance et d'alternance qui doit l'animer constamment. Il est temps que notre pays dépasse le stade des querelles politiques pour se concentrer enfin sur les vrais problèmes du peuple, notamment la pauvreté, le chômage, l'éducation, la santé, les infrastructures, l'environnement, bref, les problèmes de développement socio-économique du pays. Sur ce, je déclare ouverte la session ordinaire de septembre 2021 et je vous remercie. La séance est levée. Tous les éléments essentiels de la politique nationale, il a parlé. Le passé de la pollution des eaux de Tchikapa, en passant par la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, une minute de silence a été observée au tout début de cette session, rappelant ainsi les vaillants soldats de la République démocratique du Congo, pour certains qui sont tombés au front sur le champ d'honneur, mais aussi les personnalités ou les personnes congolaises qui ont été fauchées par la Covid-19. Tout cela a imposé une minute de silence, mais aussi la mort du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Antoine Gabriel Kungu Wakumanza, et tout ça. Le président du Sénat l'a évoqué dans son discours, appelant ainsi le gouvernement de la République à plus d'action en faveur de la population, conseillant le gouvernement de la République à prendre des dispositions pour donner des solutions à tous les problèmes qui oblitèrent l'épanouissement de la population congolaise. Là, le président du Sénat est en train de saluer ses invités. Il a parlé de la diplomatie parlementaire, évoquant les relations entre les États, citant Jean-Pierre Raffarin qui préfaçait un livre certainement sur la diplomatie parlementaire ou sur la diplomatie en général, où il rappelle qu'il faudrait bien que les intérêts des nations soient conciliés pour qu'il existe une diplomatie. Voilà donc, dans l'entretemps, Mami Mambouini et Feza Kalongola nous ont rejoints en quelques lignes, en Lingala. Mami Mambouini, qu'est-ce qui s'est passé ici au Sénat à cette ouverture de cette session de septembre? Matongo mingi edi challenge solo lelo makolo monene bakelimi boko sima ya bolekisi sanza isato ya kubopemi lelo nde bazongeli nzela ya mosala ebongo mokambi ya Sena mwana mboka Modeste Bati Lukwebo na lisukulu ya ye atalisi makambo ya motuya alobi ete na bozongi bwa bango bakutana makambo maike ya mbopenza bazwaki montango moke ya bokanisi molimo ya Kondo Gabriel Kiungu wa kumwanza ula silaka bongo kwa bongo alobela kipe mambi matali mingi penza mbo zangi bo kengi mambi matali maponomi mambi matali bongo kuzanga kamba malamu ikule kakabongo na makompanyi ya leta ibisi yeti nkati ya bozongi oye mbula matali ekolo ekosala manso mpo ya bosuki si makambo mana mambi matali pe mae mazali weleko ya ita de siyaji bakutana pe makambo manso mae mae kusala makuna uetuka ya itori lokola mpe na narkivu solo moko male yango ekokani penza ete moko molongo mobimba bazali kokundola mokomo ya pesa na ntina na demokrasi mpo ya bikolo biso bya molongo na yango bikolo Kongo demokratike pe kutana mambi matali demokrasi lolenge ezali koleka awa kati ekolo ya biso kati na mango bakutana makambo maike oyo ezali likambo litali ebikeli ya bana banso ya ekolo Kongo demokratike pe kotombola nkita ya ekolo Kongo demokratike. Merci mingi mami Mambweni, ni kusema kama tunapatikana hapa kwa baraza la wazee mahali ambapo kilele cha kurudi kwa wana seneti ambao waliweza kupumzika muda wa miezi mitatu ndio leo tarehe 15 Septemba mwaka huu tunao wanaweza kurudia kazi kama desturi chini ya uongozi wa presidenti wa baraza la wazee Modeste Bahati Lukwebo. Aliweza kufanya hotuba yake ya kusemea mambo mbalimbali, aliweza kusemea kuhusu hali ya kukubaliwa kwa mpango wa kanuni za kuongeza etat de siège katika majimbo Ituri na Kivu ya kaskazini, na katika hotuba yake pia alisemea kuhusu tu
COVID-19 na namna gani raia wanapaswa kupata chanjo kwa kuweza kuchanjwa kwa kuepuka ugonjwa huo wa COVID-19. Aliweza kusemea pia kuhusu dakika moja ya kumkumbuka presidenti wa baraza la jimbo Kiungu wa Kumwanza aliyeweza kuacha dunia siku zilizopita, pia kasemea mambo kaza na kaza na kaomba kwa sasa kwa raia kuweza kutumika mkono mkononi, pia kwa wakuu viongozi wote ya mahali ambapo waliweza kupatikana hapa kupale dipepe hapa zaidi kwenye baraza la wazee, ndio kabisa waliweza kusemea katika mambo mbalimbali na kuona kama ni wakati ya kurudi kwa wanaseneti kazini, ndio waliweza kukomesha kazi hiyo hapa. Tosiki la feza kalongola mshindo mwene mami mambweni bena mwabani nepesa mwane kwa ya ngombo tuwa kwa ya mpingi kubilu kujibachi kutu mwana wafanka bajiti wakano lwe ya muyuki edisala. Merci donc amis téléspectateurs, dans quelques instants il va intervenir la rentrée parlementaire cette fois à la chambre basse du parlement à l'Assemblée nationale. Le président Bosoko Diaponga était ici et dans 2-3 minutes nous allons rendre l'antenne un moment en attendant que les choses se mettent en place à l'Assemblée nationale. Merci de nous avoir suivis. Naturel insoupçonné. Pays unique d'une beauté et d'une richesse incroyable. Formidable réservoir de faune et de flore. Patchwork des univers variés avec un patrimoine culturel exceptionnel. La RDC, terre d'accueil, berceau de l'hospitalité, célèbre le tourisme. Du 27 septembre au 3 octobre, sous le haut patronage du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, Kolwezi, capitale mondiale du cobalt et source du majestueux fleuve Congo, accueille la première édition de la semaine congolaise du tourisme, la SCT 2021, avec l'organisation par le ministère du tourisme d'un forum de haut niveau intitulé « Tourisme et croissance inclusive ». Congo Sikitoko. Namoni tukuki, commissionnaire, ridiculateur et puis abissu ya famille, yeah. Liquidateur, on va vous rater son mongo, pamba. Papa, on va le pamba. Mais ça mongo, tout ça la mikanda, tout panza. C'est pas grave. Papa, c'est l'homme beko ya tsika ya affaire foncière, transaction foncière, taux immobilière nyoso, où il y a une valeur en francs congolais égale taux plus de 10 000 dollars, et sengeli d'abord un. Aux alana certification y a valeur vénale y a parcelle toyandako par un expert y a Seiko, c'est-à-dire chambre des experts immobiliers du Congo. Et là qui c'est que tozalina nous n'avons pas procédure à suivre. Vous allez na pousa y a utsumba te papa. Bon, tika il kenda kowet. Togo remorkango. Ah bon? Ben j'évitais. Madame, ça va? Oui, par rapport à notre projet, je pense qu'il est super. Waouh! Alors maître, on peut faire l'affaire? Non. Par rapport à Mibeko et à Sikaya affaire foncière, et Sengeli Tolan de la procédure et boy. Yali Bosso, Tozali n'a besoin d'un expert et à Seiko pour la certification et à valeur vénale, il y a parcelle de la maison. Yami Balé, virement bancaire de compte à compte, il y a Mosombi, Namoteki. Na moko ya ba banque o ezali agréé na RDC pona kozwa bordereau ya versement to ordre de paiement. Ensuite, comment un conservateur de titres immobiliers pour obtenir une note de perception o ekosala ofuta ba droit na yo pona mutation. Pe